Aujourd'hui, on va parler du papier à l'aquarelle. On entend vraiment de tout là-dessus. Il y en a qui disent que c'est pas du tout important et d'autres qui considèrent que c'est de la plus haute importance. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience là-dessus et à la fin, je vous donnerai mes conseils pour aborder le papier à l'aquarelle de la meilleure manière possible. Quand on débute à l'aquarelle, en général, on prend du papier cellulose spécial aquarelle parce que c'est un petit peu ce qui est communément accepté, c'est ce qu'on prend lorsqu'on débute à l'aquarelle. Alors qu'on se comprenne bien, lorsque je parle de papier en cellulose, je ne parle pas du papier qui sort de l'imprimante, qui est lui en cellulose, mais qui possède un grammage de l'ordre de 90 grammes par mètre carré, ce qui est beaucoup trop faible, puisque lorsque vous allez mettre de l'eau, il va systématiquement gondoler. Donc ça va créer des cuvettes dans lesquelles l'eau va être retenue, et ça va distordre complètement votre peinture. À la place, il vaut mieux s'orienter vers du papier en cellulose, spécialement conçu pour de l'aquarelle. Et au début, ça va suffire pour faire des exercices, pour faire des études, pour faire des croquis. Mais arrive un moment où vous allez être limité puisque vous allez aborder une technique pilier à l'aquarelle, qui est la technique dans l'humide. Cette technique consiste à avoir un papier qui est relativement humide, mouillé humide, et sur ce papier-là, vous allez poser des pigments de couleur qui vont se diffuser sur le papier. Alors ça, c'est une technique qui est incontournable à l'aquarelle, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas spécialement adaptée sur du papier en cellulose. Et ce qu'il faut voir, c'est que le papier en cellulose n'est pas forcément bien adapté pour pouvoir accueillir cette technique de peinture dans l'humide. Et la technique dans l'humide étant une des plus difficiles à maîtriser à l'aquarelle, c'est là que le cauchemar commence si vous restez sur du papier en cellulose. On a tendance à se remettre en question, on se demande si c'est pas nous le problème, puisque c'est nous qui faisons mal. Parfois, on peut même se dire que l'aquarelle, c'est pas pour nous, et du coup, ça peut nous inciter à abandonner un médium qui aurait pu nous plaire si on avait eu le bon matériel. Pour pouvoir maîtriser correctement cette technique dans l'humide et plus globalement acquérir de bonnes bases à l'aquarelle, la solution est d'utiliser du papier 100% coton. Mais le principal problème du papier 100% coton, c'est qu'il est cher. Mais alors, cher à quel point par rapport au papier en cellulose? Est-ce qu'il n'existe pas des solutions pour pouvoir optimiser le coût du papier qu'on achète? Du coup, je vais vous montrer une étude comparative en termes de prix sur des papiers en cellulose d'une part et d'autre part sur des papiers 100% coton. Alors, comme il y a énormément de formats de papier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une hypothèse. D'habitude, moi, je travaille, je peins sur des papiers de dimension de l'ordre de 28 par 38 cm. Et donc, je vais me baser sur cette taille-là pour pouvoir faire mes études comparatives. Également, je me suis basé sur des prix que j'ai trouvés sur un site qui s'appelle Le Géant des Beaux-Arts, puisque c'est principalement là que je me fournis. Et pour information, moi je ne touche aucune commission sur le type de matériel que je peux vous préconiser. C'est vraiment un pur partage d'expérience. Alors on va commencer par le premier tableau qui est basé sur les papiers en cellulose. Et on se rend compte que, alors j'en ai sélectionné trois. D'une part, il y a le papier Monval de chez Canson. Ensuite, il y a le papier Étival de chez Clairefontaine. Et il y a également le papier Moulin du Coq, le rouge. Et à chaque fois, j'ai pris des blocs de 100 feuilles, puisque c'est le meilleur rapport qualité-prix. On a un gros bloc de feuilles, puisque ce que je préconise en fait sur les papiers en cellulose, c'est de faire tous les exercices sur ce type de papier, puisqu'il est moins cher. Et là, comme vous pouvez le voir, en termes de prix, on est en moyenne, hein, autour de 50 centimes la feuille de papier lorsque pour une dimension entre le format A3 et le format A4. En termes de grammage, on est entre 200 et 300 grammes par mètre carré. Le mieux, c'est 300 grammes par mètre carré pour que le papier ne gondole pas trop lorsque vous allez mettre un peu d'eau dessus.
En termes de conditionnement, vous en avez de deux types. D'une part, les blocs collés un côté et d'autre part, les blocs collés quatre côtés où là, ça va être un peu plus long pour détacher une feuille. Mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. À ce niveau-là, j'ai pas de préconisation spéciale entre un conditionnement ou un autre, puisqu'on va utiliser assez peu d'eau lorsqu'on fait des esquisses, lorsqu'on fait des croquis, lorsqu'on fait des études. Et du coup, on n'est pas obligé de scotcher la feuille, de l'aplatir, de l'étirer complètement, même si, bon, dans l'absolu, c'est mieux. Mais c'est quand même du temps passé pour faire des exercices, donc c'est pas forcément obligatoire. Le deuxième tableau présente une étude comparative sur des papiers 100% coton. Alors ici, j'ai utilisé les prix d'un format de feuille qu'on appelle le format Jésus, donc c'est 56 cm par 76 cm. Et là, j'ai sélectionné 4 marques, Canson Héritage, Arche, Saunders Waterford et Fontaine de Clairefontaine. Et pour chacun, comme vous pouvez le voir, on a un prix pour la feuille au format Jésus. Et après, je l'ai divisé en 4 pour avoir un prix au format d'une feuille entre le A4 et le A3. Donc ici, on est plutôt sur du 28 par 38 cm. Alors moi, j'ai testé les 4 types de papier. Ils sont très bien, tous les 4. Moi, j'ai une préférence pour le papier Arche, puisque en termes de disponibilité, je trouve que c'est plus simple de se le procurer. Par exemple, si vous allez à Cultura, en général, vous en avez. Et également, c'est le papier qui est considéré comme étant le nec plus ultra. Et je peux vous confirmer, pour l'avoir utilisé sur des centaines d'aquarelles, que c'est vraiment un papier de très très bonne qualité qui se place pour moi sur le haut du panier. Alors ici, comme vous pouvez le voir, au niveau de la feuille entre le A4 et le A3, on va se situer sur des prix aux alentours de 1,50€ la feuille. En termes de conditionnement sur du papier 100% coton, on en a essentiellement deux, mais qui sont un petit peu différentes du papier en cellulose. D'une part, on a le bloc collé quatre côtés, qui est super pratique pour le transport, mais qui est quand même plus cher, voire parfois beaucoup plus cher, que le deuxième conditionnement qui consiste à avoir un papier au format Jésus, 56 cm par 76 cm, qu'on va découper au ciseau en 4, pour avoir un format qui oscille entre le A4 et le A3. Ce papier là, il n'est pas collé et donc il va falloir le scotcher avec un ruban adhésif sur une planche de bois. Et ça, ça va éviter au papier de gondoler lorsqu'on va commencer à mettre de l'eau dessus. Si je devais vous préconiser un conditionnement, là pour le coup, ça serait vraiment en faveur du format Jésus, puisque économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Après, il ne faut pas se priver de prendre des blocs collés quatre côtés si vous voyez qu'il y a une marque qui vous plaît particulièrement, puisque c'est pas forcément ce bloc-là que vous allez utiliser le plus, mais en cas d'urgence, vous en avez en réserve. Et puis si vous voulez le transporter, ça sera quand même plus pratique que de transporter des feuilles au format Jésus. Même si vous les avez coupées en quatre, bah c'est quand même moins solide qu'un bloc collé quatre côtés qui est plus dense, plus compact et donc qui tient mieux lors des transports. Donc en conclusion, ce que je préconise, c'est que pour faire des exercices, c'est du papier cellulose qu'il faut sélectionner avec un grammage de l'ordre de 200 g à 300 g par mètre carré. Que ce soit du grain torchon ou du grain fin, finalement, ça ne fait pas une grande différence puisqu'on est sur des exercices. Et ici, en termes de conditionnement, il n'y a pas non plus de grosses différences. En termes de prix, on va plutôt se situer pour des blocs de 100 feuilles que je vous recommande puisque c'est ce qui sera économiquement le plus rentable. Eh bien, on va être sur des niveaux de l'ordre de 50 centimes la feuille. La feuille étant sur un format entre le A4 et le A3. Lorsque vous allez vous orienter sur des exercices ou des peintures complètes qui nécessitent un gros travail dans l'humide, à ce moment-là, je vous dirais plutôt de vous tourner vers du papier en 100% coton. Ici, en termes de conditionnement, je recommande vraiment le papier au format Jésus que vous découperez en 4 et que vous scotcherez sur une planche de bois, pour des raisons économiques surtout. En termes de grammage, je suis plutôt sur du 300 g par mètre carré. Là, franchement, j'ai fait toutes mes aquarelles sur ce grammage-là, j'ai jamais eu de problème, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. En termes de grains, vous en trouvez 3, le satiné, le fin et le torchon. Le satiné, c'est un peu un effet miroir. Le grain fin, il y a quelques aspérités, mais pas trop. Et le grain torchon, il y a des aspérités
franchement bien visible. En général, j'utilise le grain torchon puisqu'il permet d'avoir des très beaux effets lorsque on utilise une technique qui s'appelle la technique du sec sur sec. Cette technique consiste essentiellement à utiliser peu d'eau sur son pinceau pour pouvoir avoir une marque qui est un petit peu déstructurée et ça va pouvoir donner des effets intéressants à l'aquarelle. Mais bon, ces effets-là, on peut aussi les obtenir sur du grain fin, c'est juste que c'est un peu moins facile. Donc si je débutais à l'aquarelle, ce que je ferais, c'est que je commanderais un bloc de 100 feuilles en papier cellulose pour toutes mes esquisses et toutes mes études. Et à côté de ça, je commencerais à prendre quelques papiers sous différentes marques, de peut-être 2-3 marques que j'ai envie de tester, en 100% coton, au format Jésus, que je découperai en 4, voire en 8, pour pouvoir commencer à tester. Et là, on peut faire quand même pas mal d'aquarelles avec ce nombre-là. Et lorsque je me suis bien calé sur une marque qui me plaît, à ce moment-là, j'achète le bloc de feuilles, de 20 feuilles collées 4 côtés, pour en avoir toujours en réserve ou lors des transports. Alors, le papier à l'aquarelle, est-ce que c'est important? Oui, c'est même très important parce que si vous ne prenez pas le bon papier adapté au bon type de peinture que vous souhaitez faire, vous allez avoir deux problèmes. Le premier, d'une part, ça peut vous coûter très cher si vous prenez un mauvais conditionnement ou si vous prenez un mauvais grammage. Et d'autre part, ça peut vous freiner, voire vous stopper dans votre apprentissage de l'aquarelle puisque vous allez avoir des effets non voulus et là, vous allez commencer à vous poser énormément de questions sur votre niveau à l'aquarelle, sur est-ce que ça vient du papier, est-ce que ça vient de vous. Donc ça, pour éviter ce genre de débat, là, je vous conseille vraiment de prendre un bon papier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle, la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles. Il y a plus de 6 heures de formation réparties sur plus de 20 vidéos, chacune remplie de techniques et d'astuces. J'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Et si cette vidéo sur le matériel vous a plu, alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concoctée pour vous et qui contient tout le matériel que je préconise à l'aquarelle. Pour accéder à cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran.